الأحداث على المباشر وبدون إطالة نربط الاتصال بزملائنا المتواجدون بقاعة المحاضرات بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، أين سيقوم المدرب الجديد للمنتخب الوطني كريستيان غوركوف ندوة صحفية، وهي الندوة الصحفية. إذن كما تشاهدون الناخب الوطني حضر للتو إلى قاعة المحاضرات من أجل عقد أول ندوة صحفية له بعد تنصيبه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني خلفا للمدرب المستقيل المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش الذي انتقل إلى نادي طرابزون سبور التركي. إذن كما تتابعون معنا مشاهدينا الكرام، نحن الآن على المباشر من قاعة المحاضرات بالمركب الأولمبي محمد بوضياف والندوة الصحفية للناخب الوطني الجديد كريستيان غوركوف. إذن هذا هو التقني الفرنسي الذي سيشرف على محاربي الصحراء الذين شرفوا الكرة الجزائرية والعربية والإفريقية البرازيل 2014 كيف لا، وهم الذين تأهلوا إلى الدور الثاني بجدارة واستحقاق وانهزموا بصعوبة كبيرة أمام بطل هذه الدورة. إذا نستمع إلى كريستيان غوركوف. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être en Algérie. L'accueil que j'ai reçu est très chaleureux. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Voilà, je suis ici pour un challenge bon, qui est difficile, mais qui me plaît. J'arrive à un moment de ma carrière où j'avais fait le tour peut-être aussi dans mon club. Donc c'est une nouvelle aventure, un challenge qui est difficile, mais qui me motive beaucoup. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai répondu à ce challenge. Je crois au potentiel du football algérien depuis très longtemps, parce que j'ai eu aussi beaucoup de joueurs algériens dans ma carrière. Le premier, c'était Ali Bouafia, que j'ai eu sous les ordres. Après, j'ai eu Karim Ziani, Rafik Saifi, beaucoup de joueurs avec qui c'est toujours bien passé. J'ai eu toujours une bonne sensibilité du jeu avec ces joueurs. Même sur le plan relationnel, ça s'est bien passé d'une façon générale. Je crois aussi que l'équipe nationale a une génération de joueurs qui est très très intéressante, comme l'a prouvé la Coupe du Monde. Donc je crois vraiment à la potentiel de cette équipe. Et d'une façon générale, je crois au potentiel du football algérien, d'une sensibilité de jeu qui me correspond, avec un jeu créatif, technique. Et si j'ai répondu aussi à la sollicitation de la FARC, c'est que je crois qu'on peut coordonner nos efforts, qu'on a la même vision du jeu et la même sensibilité du jeu, ce qui était pour moi une condition pour que je m'engage dans ce challenge. La deuxième raison, c'est aussi le feeling que j'ai eu avec les personnes, parce que comme je l'ai dit, j'ai eu un accueil très chaleureux depuis que je suis ici en Algérie, même avant dans les contacts. Donc il y a eu ce qui est pour moi aussi absolument essentiel dans la relation de travail, c'est d'avoir une bonne relation avec les personnes, parce que la relation est importante pour la réussite du travail. Voilà, sur les ambitions, alors bon, évidemment il y a des ambitions chiffrées que le président a détaillées, qui sont élevées, mais c'est un défi, je suis prêt à y répondre. Pour moi je me placerai toujours sur le plan du jeu, parce que mon ambition c'est d'affirmer un style de jeu. J'ai parlé de philosophie de jeu, de sensibilité de jeu, et je viens ici en Algérie avec mes idées. Non pas pour révolutionner le football algérien, mais pour apporter peut-être mon expérience dans cette affirmation du style de jeu. C'est un objectif prioritaire que je me suis fixé, c'est-à-dire que l'équipe nationale ait un style de jeu qui soit reconnu. Alors évidemment, ça ne peut se faire que dans la durée, donc il faudra aussi qu'on arrive à s'installer dans la durée. Et je sais aussi que les résultats
fondamentaux pour pouvoir le faire. Et puis d'une façon générale, c'est la participation au développement du football algérien. Donc au-delà de l'équipe nationale, c'est mon investissement aura va dépasser le cadre de l'équipe nationale avec notamment les A-primes et aussi une participation avec la DTN qui est pour moi aussi, je pense, un élément important pour que le football algérien grandisse et utilise tout son potentiel. Alors les objectifs précis, c'est d'entretenir bien sûr pour l'équipe nationale la dynamique créée par la Coupe du Monde. C'est avec bien sûr les qualifications de la CAN 2015 qui viennent très vite. Donc la difficulté, c'est justement les délais très courts en termes de préparation. Mais c'est évidemment aussi un challenge qui est important. Donc la CAN 2015 doit aussi justement entretenir cette dynamique qu'on a vue lors de la Coupe du Monde passée. Le deuxième point, c'est de... Je crois que la grosse difficulté maintenant, ça va être passer d'un stade de challenger que l'équipe nationale avait lors de la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, l'équipe d'Algérie a fait valoir des valeurs de générosité, de solidarité, dans un rôle de challenger. Maintenant, évidemment, le statut de l'équipe a changé, notamment en Afrique. Donc il va falloir justement assumer ce statut de favori. Ça demande des valeurs mentales adaptées, avec une humilité, évidemment, qui s'impose aussi dans la compétition. Donc faut pas non plus pour revenir les pieds sur terre, beaucoup d'humilité et une force de caractère aussi qu'il faudra aussi assumer, et notamment lors du premier match déjà en Éthiopie. Et puis, au-delà de ces valeurs mentales, il y a évidemment des valeurs techniques à faire valoir pour assumer ce statut de favori, avec une maîtrise technique qui nous permettra justement d'avoir la solidité nécessaire pour s'assumer. Donc ça, c'est aussi mon travail, même s'il y a très peu de temps pour préparer l'équipe, mais ça sera aussi un objectif majeur. Voilà, au-delà de l'équipe nationale, il y a aussi, comme je l'ai dit, dans ma mission, l'aspect du développement du football algérien, donc la progression. Donc j'aurai pour mission aussi d'avoir la sélection des A-primes, ce qui est pour moi aussi intéressant parce que l'équipe nationale est constituée de beaucoup de joueurs binationaux donc qui sont beaucoup nés en France. Et je pense que le football algérien doit se développer avec aussi des joueurs qui sont natifs d'Algérie. Donc c'est pour ça aussi que pour moi c'était important, voire capital dans ma mission, que j'ai la vue sur la sélection A-primes, les joueurs locaux, parce qu'il faut développer absolument le football en Algérie pour la progression de tout le football algérien. Donc j'aurai aussi en collaboration avec les DTN une mission dans la formation de cadres, et aussi développer la formation qui est un atout majeur dans l'avenir. Ça, je m'investirai aussi dans cette mission. À ce titre-là aussi, puisque je fais les choses à fond, donc je serai installé à Alger donc pour avoir justement aussi pour m'intégrer complètement dans le football algérien. Donc c'était aussi une condition évidemment pour que je sois complètement impliqué dans ma mission. Le autre point, donc, c'est la constitution du staff technique. J'ai voulu un staff qui, au départ, en tout cas, être assez limité, parce que je veux avoir des gens qui soient complètement impliqués. Donc, c'est des gens qui ont un rôle très précis dans le staff. Chaque personne a un rôle très, très précis. Je veux des spécialistes, des gens qui soient responsables. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'avoir un staff qui soit très... très étendu au départ. On pourra bien sûr l'enrichir dans les compétitions, dans les regroupements évidemment. Donc la condition bien sûr pour que je vienne ici, c'était de m'entourer de personnes que je connaissais. Et donc Yazid Mansouri, qui sera le manager de l'équipe et qui sera donc mon adjoint principal, sera d'une grande utilité. D'une part parce qu'il me connaît bien, une complicité relationnel. Il a travaillé 4 ans avec moi à Lorient, ça a été mon vice-capitaine, donc c'est quelqu'un que je,
avec lequel j'ai beaucoup d'affinités, il connaît mon travail, c'est important qu'il soit à mes côtés parce qu'il a une connaissance et une légitimité aussi au niveau du football algérien qui sera très utile. Donc lui, il aura en mission de suivre les joueurs internationaux évoluant à l'étranger et bien sûr le rôle d'adjoint lors des rassemblements. Le deuxième adjoint, c'est le préparateur physique, Guillaume Marie, qui est quelqu'un qui a beaucoup de compétences théoriques, qui est quelqu'un qui a une grande compétence, qualité relationnelle aussi, qui a fait ses preuves dans des clubs comme Troyes, Le Mans, Le Havre. Donc c'est une personne qui ne sera pas à plein temps ici à Alger, mais qui suivra aussi les joueurs de l'équipe nationale. Donc ce sera un préparateur physique qui, je pense, sera aussi un atout important. Bon, pour le reste, j'aurai un adjoint qui sera algérien, en collaboration avec la FAF, qui sera désigné, qui lui suivra justement plutôt les joueurs locaux, et qui travaillera donc avec moi plus sur ces aspects-là, et qui sera évidemment aussi dans des rassemblements avec nous. Et donc pour l'entraîneur des gardiens, Hassel Moubedad reste bien sûr dans l'encadrement. Voilà. Et puis je l'ai dit, donc le staff pourra être élargi au fil des rassemblements, notamment des compétitions importantes. Alors l'autre point, ce qui est le plus intéressant, c'est le projet. C'est le projet. Pour moi, c'est le projet de jeu. Alors d'abord, un état des lieux. Bien sûr, je n'arrive pas dans l'inconnu. J'ai dit, je ne vais pas révolutionner l'équipe nationale. Il y a une structure d'équipe qui existe. On l'a vu lors de la Coupe du Monde. Les plus qu'on a vu dans la Coupe du Monde, c'est beaucoup de générosité. Une équipe qui était très combative, il y avait une osmose qui était très intéressante, qui a permis justement de faire l'admiration du monde entier du monde du football. Donc il faut absolument conserver ce dynamisme qui est un vrai plus et qui permet aussi bien sûr de gagner. Le deuxième point aussi très intéressant, c'est qu'on a des joueurs dans l'équipe nationale qui ont un potentiel offensif intéressant. On a vu surtout dans un style de contre-attaque et lors de la Coupe du Monde, et des joueurs qui ont la capacité d'accélération, qui sont capables de faire des vraies différences. Et ça, c'est bien sûr à utiliser au mieux. Mon ambition et ma recherche, ça reposera sur deux points, hein, sur le plan technique. C'est améliorer la maîtrise du jeu et la fluidité du jeu collectif. Je pense qu'on peut encore gagner en termes de fluidité dans le jeu de passe. Et tout mon travail d'entraîneur, ça a été aussi ça, cette recherche de la maîtrise du jeu. Donc ce sera un objectif majeur dès les premiers matchs. Et puis un deuxième point, mais qui est en corollaire, c'est certainement une récupération du ballon plus rapide, puisque l'équipe nationale a joué assez bas quand même, mais bon, c'était adapté aussi évidemment à la compétition. Donc on aura, je pense, une recherche d'une récupération plus rapide du ballon. Alors ma conception du jeu, c'est, je ne vais pas en parler des heures, on aura le temps d'en discuter. Pour moi, je conçois le football comme un jeu collectif. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, c'est vrai que ça demande évidemment déjà un état d'esprit collectif qui permette aussi l'expression sur le... D'un jeu de qualité sur le terrain. Évidemment, on parle de résultats. Vous parlez de résultats. On est dans un monde où, bien sûr, c'est le résultat qui conditionne tout. Et moi, je parlerai de jeu, parce que c'est le résultat n'est que l'aboutissement du jeu. Donc, gagner, évidemment, tous les entraîneurs du monde et tous les amoureux de foot aiment gagner. C'est pas la peine qu'on le répète à chaque fois. Moi, je veux gagner tous les matchs. Quand je rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Mais ce qui m'intéresse, c'est savoir comment gagner. Et je crois que c'est la qualité du jeu qui fait progresser individuellement et collectivement une équipe.
et qui amène après les résultats. De façon durable, en tout cas, on peut toujours gagner sur un coup. C'est ma conception de mon travail, et c'est la conception du football. Et d'abord, il faut être heureux, il faut avoir un football qui soit créatif, qui soit collectif, comme je l'ai dit. Et ce sera en tout cas mon ambition, sans perdre de vue, évidemment, l'urgence des résultats. Alors, sur le plan technique, j'ai deux idées dans la mise en place du jeu collectif. C'est donc de tout concevoir collectivement, donc d'améliorer les relations entre les joueurs, d'améliorer donc... Et les relations entre les joueurs, c'est le jeu de passe. Je l'ai dit, la fluidité dans les jeux de passe, le jeu à une ou deux touches de balle qui permettent des relations entre les joueurs. Les déplacements, d'améliorer les déplacements aussi pour que le jeu soit le plus créatif possible et que la récupération du ballon soit collective. C'est-à-dire que tout le monde doit être concerné dans l'action. Donc ça demande aussi une mise en place qui sera très réduite évidemment dans la sélection, mais qu'on essaiera de faire très, très rapidement. Et une deuxième idée, c'est que le foot, c'est une recherche d'initiative. Donc ce qu'on recherchera, c'est toujours d'avoir les initiatives, de ne pas subir le jeu, et toujours d'imposer notre jeu. Et ça, donc avec la recherche d'un jeu dynamique, d'un jeu donc, qui sera offensif, avec une récupération du ballon, comme je l'ai dit, qui sera aussi la plus rapide possible, donc avec notamment un pressing qui sera certainement plus marqué peut-être que ce que l'équipe nationale faisait avant. En termes de mise en place de cette idée du jeu, je m'appuierai moi sur ce que je crois, c'est-à-dire une organisation de jeu qui sera à la base d'un 4-4-2, mais on verra, qui sera très, très souple évidemment dans l'application. Mais ce qui est important justement, c'est aussi d'avoir un cadre qui soit rigoureux, qui soit stable, c'est-à-dire d'un match à l'autre, on ne va pas changer d'organisation. On va prendre une organisation qu'on va travailler au fil des matchs et qui va s'enrichir de telle manière à ce que les joueurs aient des repères qui me semblent justement essentiels pour avoir un collectif qui soit fluide. Et après, bien sûr, une souplesse pour qu'il soit adapté au profil des joueurs, puisqu'il faut mettre le but, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles aussi pour qu'ils s'expriment et que le jeu soit le plus créatif possible. Et bien sûr, il y aura aussi le contexte des matchs. Évidemment, quand on joue en Éthiopie, comme ça va être le cas lors du premier match, ce ne sera pas la même chose, évidemment, que d'autres matchs où on jouera à domicile. Mais il y aura toujours une stabilité dans l'organisation qui permet aussi la progression et de fixer des automatismes. En fait, pour moi, c'est vrai que c'est la première expérience comme sélectionneur. Le football reste le football. La différence, c'est que j'ai eu à l'occasion, et notamment à Lorient, du temps pour installer ce travail. Et là, je sais que, évidemment, le temps sera compté. C'est aussi le challenge, un défi pour moi, donc d'essayer de très rapidement d'installer des automatismes. Dernier aspect dans le projet, c'est que j'ai dit que le jeu, c'était un jeu collectif. Pour créer un collectif, il faut aussi, c'est des relations entre des joueurs, mais des personnes. Donc, dans la gestion humaine, je pense que ça doit aussi être un facteur important dans la réussite. Le jeu collectif demande beaucoup de rigueur. Alors, c'est évidemment une discipline, une mentalité, d'abord, une acceptation du partenaire, une mentalité dans le jeu. Et évidemment, je serai très attentif à la mentalité du joueur dans l'application de ces principes collectifs, l'acceptation du partenaire et la mentalité qui pour moi est essentielle dans la réussite, mais aussi une souplesse avec le respect de la personnalité de chacun. Je pense que je suis assez souple aussi dans les relations, même si après je vous dis la discipline et la rigueur est indispensable. Le but, c'est de responsabiliser le joueur dans l'exigence. Et on n'arrive pas par la force. Je pense que ce n'est pas par la peur et par la force qu'on arrive à motiver les gens. C'est plus dans la joie et dans l'envie de faire les choses ensemble. Ça, ce sera aussi un objectif qui sera bien sûr important pour la réussite. C'est vrai dans toutes les équipes du monde et aussi dans les sélections nationales. Alors, autre point, c'est les relations avec les médias. On m'a dit que vous étiez redoutable.
Je crois que, comme je l'ai dit, là, pour les joueurs, c'est mes relations aussi avec les personnes d'une façon générale, c'est toujours lié à beaucoup de professionnalisme. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de professionnalisme dans nos rapports et aussi beaucoup de convivialité. Je pense que c'est le respect mutuel qui permet aussi d'avancer. Donc même si on n'est pas, après, on ne sera pas peut-être d'accord tout le temps, je pense que c'est aussi comme ça que c'est constructif et qu'on est professionnel. Donc sur le plan pratique, l'équipe nationale, bien sûr, appartient à tous les Algériens. Donc la communication est aussi un point important de mon métier, ça j'en ai conscience. Donc moi je serai à votre disposition, pas de façon anarchique, évidemment, mais ce sera, on aura des points presse réguliers, donc avant les rassemblements, après les rassemblements, et qui seront cadrés. Donc là, il n'y aura pas de problème. Je serai toujours disponible pour parler de foot, pour parler de jeu, pour parler de mon métier. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je ne donnerai pas d'interview, par contre, particulière, justement, pour que, justement, il n'y ait pas de différence, de susceptibilité. Vous avez remarqué que je n'ai pas donné d'interview à la presse étrangère, et notamment la presse française, parce que je pense que ma fonction, c'est d'abord vous, médias algériens, ce qui n'exclut pas, évidemment, la presse étrangère, puisque la presse française est aussi intéressée, évidemment, par le football algérien. Mais ils seront conviés comme au même titre que vous et pas de façon privilégiée. Voilà. Et puis dernier point sur les médias, j'ai toujours fonctionné comme ça aussi dans mon travail, c'est que je ne suis pas cachotier. Donc dans la compréhension de mon travail, je pense que la vision des entraînements est aussi intéressante pour les médias. Donc il y aura une ouverture qui sera maîtrisée aux entraînements. Alors évidemment, il y a des aspects pratiques à mettre en place, et notamment au centre, je ne pourrais pas ouvrir tous les entraînements aux médias, mais au maximum, il y aura une ouverture pour aussi la compréhension de ce qu'on recherche dans le travail. Je pense que ça, c'est important. Donc ça, ce sera à voir avec le service communication, mais en tout cas, moi, je ne serai pas fermé aux entraînements. Voilà, dernier point avant de répondre à vos questions, c'est le programme à venir. Donc, bon, c'est vrai que c'est très réduit en termes de temps, hein, puisque bon, j'ai pris mes fonctions début août et bon, les échéances arrivent très 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 vite. Donc, il y a la préparation du rassemblement de septembre. Donc, avec on s'est réunis déjà avec le staff. Donc, on a mis en place donc les principes de fonctionnement qu'on va continuer. Donc là, il y a les contacts avec les joueurs internationaux qui se font aussi, et notamment bon, Yazid a pris contact avec les joueurs, savoir ce qu'ils ont, où ils en sont, parce qu'il y a bon, beaucoup de joueurs aussi, et c'est bien sûr une préoccupation, qui sont encore dans des situations un peu précaires, donc ils ne savent pas s'ils sont dans une période de transfert, donc c'est toujours un petit peu embêtant. Mais bon, ça va, j'espère, se limiter dans le temps. Voilà, donc il y aura une pré-liste qui sera définie le 14, c'est-à-dire jeudi. Donc une pré-convocation, notamment des joueurs qui évoluent à l'étranger, donc qui sera communiquée jeudi prochain. Voilà. Et le match contre le Mali donc, a été fixé c'est au mercredi 10 septembre à 20h30 à Bilan. Voilà. Parallèlement, donc, je poursuis aussi ma connaissance un peu du football algérien. Je me suis rendu donc, au match de Supercoupe samedi donc à Abdida, et je vais aussi me rendre à Oran samedi, donc et puis je me déplacerai au maximum bien sûr dans tous les stades algériens pour connaître aussi toutes les équipes et les joueurs algériens et les encadrements aussi. Donc j'ai prévu aussi une réunion avec tous les entraîneurs algériens bon, qui sera plutôt au mois de septembre justement pour connaître tout l'environnement et toutes les composantes du football algérien. Pour moi c'est capital dans ma fonction. En ce qui concerne les A-Prime, il y aura un rassemblement mensuel de 3 jours
essayant justement de ne pas trop hypothéquer le travail dans les clubs. Donc ce sera, le premier rassemblement sera prévu le 22, 23, 24 septembre. Et donc ce sont des rassemblements de 3 jours mensuels qui me permettra aussi d'avoir une vue des joueurs locaux. إذن مشاهدينا الكرام نذكركم بأننا على المباشر والندوة الصحفية للناخب الوطني الجديد من قاعة المحاضرات بالمركب الأولمبي محمد بضيار. إذن نذكر بأهم النقاط التي تناولها الناخب الوطني الجديد كريستيان غوركوف التقني الفرنسي. بداية قال في مستهل حديثه أنه سعيد بتواجده بالجزائر وبشرفه على المنتخب الوطني، هذا المنتخب الذي شرف الكرة الجزائرية والعربية والإفريقية في مونديال البرازيل، كما تحدث عن فلسفته الكروية وقال بأنه سيعتمد على اللعب الجماعي، و تحدث حتى عن الخطة التي يعتمدها. إذن نترككم مشاهدينا مع أسئلة الصحفي. À trouver son jeu, son fond de jeu, en Coupe du Monde, à tirer son épingle du jeu avec grinta, de la volonté, beaucoup d'énergie, pour souder, n'est pas véritablement un jeu à l'algérienne. Est-ce que vous, c'est la question que je vous pose, est-ce que vous aurez le temps, justement, de trouver, d'appliquer votre philosophie de ce jeu rapide qui peut déstabiliser les défenses adverses, notamment en qualification de la population qui commence en. En quelques jours, je vais arriver au Maroc et bien sûr pour atteindre les objectifs qui sont assignés par la fédération. Ma question est sur le temps. Rapidement, deuxième question. J'espère que les temps de la ceinture, mais je la pose quand même. La Ligue ça va être signé dans votre secteur, Lorient. Il reste en Ligue 1, c'est un des rares joueurs de la sélection. Si vous sélectionnez encore, bien évidemment, joueur en Ligue 1, est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Alors la première question qui m'intéresse davantage, le temps, évidemment, je l'ai dit, c'est je maîtrise fort. Donc je suis venu ici, j'étais pas à la recherche d'un contrat. Moi, c'est un challenge qui m'intéresse. Je l'ai dit, c'est une grosse différence par rapport à Lorient où j'ai travaillé sur 25 années en 3 périodes. Donc c'est, évidemment, le temps, je l'ai eu. Ici, le temps, je sais qu'il m'est compté. Donc c'est aussi le défi, le challenge qui m'intéresse. Évidemment, pour moi, ce qui... C'est, et je pense que si les personnes de la FAF m'ont fait appel à moi, c'est aussi dans ce que je sais faire et dans la conception du jeu. Donc évidemment, j'arrive avec un projet de jeu, comme je l'ai dit, qui me semble essentiel dans la progression du football algérien. Je prendrai juste l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, dans les années 2000, a eu des grosses difficultés. Il y a eu une remise en cause au niveau de la fédération allemande. Ils sont partis sur des bases justement de jeux collectifs, d'avoir des joueurs techniques, intelligents. Ils ont travaillé là-dessus. Ils ont mis parallèlement en place une politique de formation. Ça n'a pas payé tout de suite, mais quand on voit maintenant quand même le football allemand qui est le champion du monde et le plus solide peut-être aussi dans le football mondial, je pense que c'est un bon exemple. Je pense que dans le football, il faut toujours investir. Le temps, évidemment, je sais bien que dans ma fonction, c'est ce qui est le plus précieux et que ça sera... Donc j'espère avoir le temps, justement, de l'appliquer. Mais de toute manière, je resterai très clairement dans les mêmes options de jeu, dans la même philosophie de jeu et dans les mêmes ambitions de jeu. En ce qui concerne Lorient, je suis parti de Lorient, donc j'ai plus de relation avec le club, donc la signature de Mehdi Mostefa, mais je n'en suis pour rien du tout. Pour
Pour Mesloub, par contre, j'étais en contact avec lui depuis des nombreuses années, donc je pense que le club a poursuivi un peu les contacts. Vous venez dans des situations très difficiles, peut-être plus difficiles que celles de votre prédécesseur quand il a pris l'équipe, parce que le temps vous manque et parce que celui qui nous a précédé a imprimé de son empreinte une équipe qui a réussi les résultats. Alors, je ne voudrais pas que ce soit le cas, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de jouer pratiquement à la loterie votre destin parce que vous arrivez dans des situations très défavorables? Je vous ai dit, moi, mes ambitions, c'est le jeu. C'est mes ambitions, c'est par rapport à un projet, par rapport à un travail, un challenge qui m'intéresse. J'ai 59 ans, j'ai une carrière, ça fait 32 ans d'entraînement derrière. J'avais la possibilité d'avoir un confort dans le travail, et je parle de confort, pas simplement confort de travail, autre. J'ai choisi l'Algérie parce que c'est un challenge qui m'intéresse, c'est un défi qui m'intéresse. La motivation vient aussi peut-être de cette difficulté-là, parce que je crois au potentiel. Maintenant, le risque, je l'accepte complètement, et je suis à un stade où je vous dis où je suis capable de l'accepter. Je serai jeune entraîneur, 35 ans, ce serait peut-être différent. Mais je dors très bien, je suis conscient des difficultés, mais j'ai beaucoup d'ambition. Et ma motivation première, c'est le jeu que je veux mettre en place ici. Et je pense qu'il y a les possibilités de le faire. Sinon, je ne serais pas venu. Adèle. بس نذكر مشاهدينا الكرام بأهم ما قاله كريستيان غوركوف. قال بأنه أتى إلى الجزائر من أجل مشروع رياضي كروي لإنجاحه على المطاف. إذن نستمع إلى أسئلة الصحفيين. Merci. On sait que vous adoptez le 4-4-2 que vous avez mentionné justement. En sélection, ça fait 3 ans maintenant, l'équipe évolue en 4-3-3, généralement avec 3 attaquants devant. Est-ce que justement, vous avez dit que vous n'allez pas révolutionner l'équipe, mais en adoptant peut-être le 4-4-2, est-ce que vous ne pensez pas que justement vous allez révolutionner cette équipe? Et deuxième question par rapport à des joueurs blacklistés sous l'ère Vaïdalinovic, je parlerai peut-être de Kundelbus, de Belfodé, que vous connaissez certainement assez bien. Est-ce qu'il y a possibilité qu'ils reviennent en sélection justement avec vous? Alors déjà sur le plan de l'organisation, bon, j'aurais peut-être pas dû parler de 4-4-2 parce que ça peut troubler. En fait, j'ai dit que le 4-4-2, c'est une base d'organisation. C'est un cadre collectif qui permet à chacun d'avoir des repères. Après, si vous voulez, le 4-4-2, il est souple. C'est-à-dire que si vous avez deux attaquants de percussion, vous n'avez pas le même 4-4-2 que si vous avez un attaquant de percussion et un attaquant de soutien. Donc le cadre, il doit être stable pour que le joueur ait des repères. Après, il est suffisamment souple pour l'adapter, comme je l'ai dit, au profil de joueur. Et il y a des joueurs qui ont des profils très différents, notamment sur le poste d'attaquant. Il y a des attaquants de soutien, des attaquants de pointe. Les associations peuvent être différentes. Sur les côtés, c'est la même chose. Il y a des joueurs, des milieux excentrés qui sont plus... Il y a un profil beaucoup plus offensif de percussion et des joueurs qui sont beaucoup plus dans la maîtrise, qui sont plus défensifs. Donc là, il y a une certaine souplesse aussi dans l'application de ce 4-4-2 et il ne sera pas figé. C'est clair. Et après, évidemment, il y a toujours un point de départ. Donc je ne prends pas l'équipe à zéro. Évidemment, c'est pas... Et comme je l'ai dit, je ne vais pas arriver pour le match contre l'Éthiopie et puis... révolutionner l'équipe. Il faut évidemment entretenir la dynamique, apporter bien sûr quelque chose, commencer à travailler dans le sens dans lequel je souhaite aller, mais ce ne sera pas non plus une révolution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, moi j'arrive avec un œil neuf, donc en ce qui concerne les sélectionnés, il y a certainement une ouverture. Je veux, je ne, je,
je vais, bon, sans donner de nom et de cas particulier, il y a une ouverture évidemment qui sera faite, et après ce sera à moi par bien sûr il y a une redistribution certainement des cartes comme c'est le cas à chaque fois qu'un nouvel entraîneur arrive. Bonjour, vous dites que le Lens sera votre premier adversaire. Voilà, l'échéance est proche. Même si vous suivez depuis déjà quelques mois l'équipe, par contre, un mois avant déjà le premier match, vous n'avez toujours pas désigné votre adjoint pour ce qui est des joueurs locaux. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur le Mans? Et puis, je reste en train de dire quels sont les joueurs susceptibles justement d'être sélectionnés par de nouveaux joueurs à la place de qui? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Ça, vous comprendrez bien. Quand il y aura la liste, je pourrai les évoquer plus. Mais il y aura certainement, évidemment, les joueurs locaux, je les connais moins. Donc ça, je le ferai au fil du temps. Et les rassemblements des A', justement, me permettra de mieux les connaître. Et puis, c'est aussi pour ça que je me déplace au maximum lors des matchs en Algérie pour les connaître. Les joueurs qui évoluent à l'étranger, je les connais mieux, et ce sera bien sûr l'ossature, comme je l'ai dit, il n'y a pas à attendre beaucoup de surprises dans la liste qui sera communiquée pour le premier rassemblement, même s'il y aura certainement quelques changements. Pour le début de la question, vous m'avez... Ah, le problème de l'adjoint. Je l'ai dit... Les deux adjoints que j'ai fixés, bon, c'était Yazid Mansouri, qui était pour moi une nécessité de par la complicité que j'ai avec lui et la connaissance du football algérien. Ça me semblait important d'avoir quelqu'un qui soit légitime, et je crois que Yazid l'est, compte tenu de son passé, de la connaissance de l'environnement. Donc c'est vraiment pour moi l'adjoint idéal. Il a le titre de manager. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les entraînements, je les fais. Donc j'ai toujours fait. Donc c'est pas le problème. Vous savez, les rassemblements. Depuis 32 ans d'entraînement, j'ai fait toujours des entraînements, donc j'ai suffisamment de ce côté-là d'expérience pour le faire. J'ai pas besoin d'avoir 10 adjoints pour le faire. Par contre, d'avoir des personnes qui m'aident dans les contacts, évidemment, ça c'est précieux. Yazid va mettre d'un apport très précieux sur ce plan-là. Le préparateur physique, évidemment, ça c'est aussi. On va essayer de travailler de façon très, très scientifique et. Même si Cyril Moine, avec lequel j'ai travaillé aussi à Rennes, puisque je l'ai fait venir à Rennes, était quelqu'un de très compétent. Je pense que Guillaume Marie est aussi quelqu'un de très compétent qui s'inscrit dans ce domaine-là. En ce qui concerne l'adjoint algérien, évidemment, c'est, comme je l'ai dit, le choix va se faire en collaboration avec la FAF. Et je ne connais pas la personne encore personnellement. Ce ne sera pas un problème majeur dans la mesure où, justement, ce sera dans le temps que la complicité va se faire, et ce sera surtout pour les A', évidemment, même s'il sera présent lors des rassemblements des A, pour aussi s'imprégner de ma façon de travailler. Bonjour. Et donc, Christian, نترككم على هل فيه صوت عن الأسئلة؟ Et justement, et vos objectifs ont été précis. On s'est dit Cannes 2015, Cannes 2017, environ 2018, mais à quel niveau? Est-ce que c'est seulement la qualification qui se jouera très prochainement, qui commencera très prochainement, le 6 septembre, avec un mini-championnat, mais ensuite, ce sera la phase finale avec des matchs à élimination en direct, c'est-à-dire trois matchs successifs dans un mini-tournoi, et ensuite, donc, des objectifs un peu ardus pour quelqu'un qui arrive, qui a beaucoup de volonté, c'est sûr, qui a une expérience énorme, c'est certain, et qui, vous parlez de temps, le temps vous sera compté, le syndicat. Et là, vous avez très peu de temps pour faire quelque chose, le temps que vous avez l'idée de vouloir faire un fond de jeu qui, pour vous, n'existe pas. C'est bien ça. Merci. Alors, là, vous...
ne pense pas avoir dit que l'équipe n'avait pas de fond de jeu. Bon, ça, c'est première chose, première remarque. La deuxième, je parle de jeu. Comme je l'ai dit, moi, le résultat, c'est l'aboutissement du jeu. Donc, le résultat, oui, je veux gagner. Maintenant, je ne vais pas... À chaque match, je veux gagner. Donc, moi, les objectifs, je ne vais pas le dire... L'objectif, c'est de gagner le maximum de compétitions chaque match. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment gagner. Et le travail de l'entraîneur, c'est de se poser ces questions-là et de le mettre en place. Donc, voilà, très simplement, j'ai un projet de travail, un projet de jeu qu'on va mettre en place. Après, évidemment, le président de la FAF, lui, fixe des objectifs. C'est très facile parce que dans mon contrat, j'ai un contrat d'objectif. Donc, je vous dis, moi, je suis pas là pour... j'étais pas à la recherche d'un contrat. Donc, quand le président me dira que ça se terminera, il y aura aucun souci. Il y aura aucun souci. Moi, l'ambition, c'est de mettre en place un jeu collectif, d'installer l'équipe dans un style qui lui permette après de progresser et de gagner. Mais je suis conscient que, évidemment, ça, c'est... Je serai tributaire des résultats et des. Mais mon ambition, c'est de gagner tous les matchs. Et après, c'est de se poser, savoir comment gagner et dans la durée, et pas simplement sur un match. إذن الهدف هو الفوز بكل مباراة في كل المنافسات وتحقيق نتائج جيدة. في خاصة والمنتخب تنتظره تصفيات أمم إفريقيا والمباراة الأولى بين المنتخب الوطني وإثيوبيا في 6 سبتمبر المقبل. إذن نترككم مع أسئلة الصحفيين. J'ai toujours pensé ça parce que j'ai toujours côtoyé. Bon, je suis de la génération de l'équipe d'Algérie 82, donc c'était aussi des joueurs évidemment. Et il y a une tradition du football algérien dans laquelle je peux m'inscrire. Donc j'ai la même sensibilité. Et la génération actuelle, je retrouve ces caractéristiques. Donc c'est aussi pour ça que j'étais très. Je suis très motivé par ce challenge parce que je pense effectivement que le joueur algérien correspond à ma sensibilité et ma façon de voir le foot. Il y a juste cette discipline collective alors que l'équipe actuelle avait et a montré justement lors de la Coupe du Monde, mais peut-être s'inscrire dans un jeu peut-être un jeu de passe plus intéressant. Pour moi, l'exemple ces dernières années, c'était le Barça. Alors, ils ne jouent pas en 4-4-2, mais c'est en termes de jeu, j'ai toujours été un grand admiratif du Barça depuis ces dernières années. Et, alors, je ne dis pas que l'équipe d'Algérie jouera comme le Barça, mais on va essayer de s'y rapprocher. إذن اللعب الجماعي هي الميزة التي تمتع بها المنتخب الوطني وضرب كريستيان غوركوف مثالا بالبرصة أي أن اللاعبون يتمتعون بفنيات لاعبين كبار أمثال لاعبي برشلونة. Je peux pas prétendre que j'ai une connaissance complète du football africain, même si je pense que j'ai eu aussi beaucoup de joueurs africains, donc, avec lesquels d'ailleurs ça s'est toujours très bien passé. Donc au-delà des joueurs algériens, j'ai toujours eu à Lorient, j'ai toujours eu aussi beaucoup de joueurs africains avec lesquels il y a eu une bonne complicité et dans le travail, ça s'est toujours bien passé. Après sur les équipes de la poule, bon, j'ai vu des matchs de l'Éthiopie. Bon, la difficulté, c'est une équipe déjà qui est les conditions de jeu, évidemment, là-bas sont particulières. Il y a l'altitude, il y aura la chaleur aussi. Donc, c'est des éléments à prendre en compte, le voyage, le premier match. Donc, évidemment, c'est des aspects à prendre en compte. Sur la valeur de l'équipe d'Éthiopie, je n'ai pas une idée très, très formelle. Je vais encore compléter ça d'ici, bien sûr, le premier match. Le Mali, beaucoup de joueurs évoluent en France ou en tout cas en Europe, donc je les connais tous. Et là, j'ai une meilleure connaissance, bien sûr, de cette équipe malienne.
Le Malawi, je l'ai vu, je me suis rendu donc à Cotonou pour voir le match aller Bénin-Malawi. Donc là, ça m'a permis d'avoir une bonne vision de cette équipe du Malawi. Voilà, je ne vais pas faire de commentaires particuliers, mais enfin, bon, le premier match sera un peu plus dans l'inconnu, mais on aura un maximum d'éléments aussi pour le préparer. On a dit une question par un journaliste. Il y en a d'autres qui ont besoin de parler. Adel. إذن كريستيان غوركوف تحدث عن مباراة المقبلة والمواجهة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 التي ستجرى بها المغرب ابتداء من جانفي المقبل وهي مباراة إثيوبيا. قال بأن المنتخب الإثيوبي لا يعرفه جيدا، أما المباراة الثانية التي سيلعبها المنتخب الوطني أمام منتخب مالي فيعرف جيدا المنتخب المالي لأن معظم اللاعبين ينشطون في الدوري الفرنسي. Vous allez sans doute plus jouer sur les côtés. Et toujours pour insister dans l'axe, l'équipe a joué beaucoup avec un défensif, un joueur en sentinelle dans la défense. Il faut dire qu'on avait pas mal aussi de problèmes dans la défensive, dans l'axe défensif. Donc, comment est-ce que vous allez aborder cet aspect-là, on va dire, de l'axe du jeu de l'équipe? En fait, le problème des joueurs offensifs, ça ne se pose pas, parce que dans un 4-4-2, comme je l'ai dit, après, il y a une souplesse dans l'application. Si vous avez, évidemment, si vous avez Brahimi en soutien de l'attaquant, c'est aussi un attaquant, mais ce n'est pas un attaquant de percussion, c'est un milieu de terrain supplémentaire. Enfin, donc là-dessus, c'est assez souple. Peut-être la différence, c'est qu'avec pendant la Coupe du Monde, l'équipe nationale a joué avec une sentinelle devant la défense, qui était la plupart du temps Karim Medjani, que j'ai eu aussi à Lorient, que je connais très bien, qui est au moins un défenseur avant tout, mais qui peut jouer aussi milieu de terrain, comme il a fait en club aussi un petit peu. Donc la différence, c'est ça. À partir du moment où on veut rechercher une animation offensive et la maîtrise du ballon, c'est vraiment un secteur de jeu aussi. Il faut avoir des joueurs qui sont dans la tenue du ballon, sont importants. C'est un secteur de jeu où la récupération est importante, mais la tenue du ballon, la construction du jeu est essentielle aussi. Bonjour coach, c'est Marie du jour de la compétition. Coach, le capitaine Nadine Bougala a déclaré vouloir continuer l'aventure au moins jusqu'à la prochaine CAN. Et il a dit qu'il allait avoir une discussion avec vous. Est-ce que vous avez vous en avez discuté? J'imagine, on a discuté avant qu'il s'engage dans son club, parce qu'on était préoccupé par sa situation. Donc on a eu une discussion. Voilà, c'est quelqu'un de mûr, de mature, et qui dans la discussion a été très, très sereine. Bon, c'est quelqu'un d'important déjà sur le plan de l'expérience, de la maturité. Donc voilà. Après les choses, évidemment, on verra en temps, en heure, puisque bon, l'équipe sera constituée des joueurs les plus compétitifs. Donc je ne vais pas non plus anticiper évidemment les. ذكر مشاهدينا الكرام أنه كريستيان غوركوف قال قبل قليل أنه سيتم استدعاء اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل. سيتم توجيه الدعوة للاعبين أي يوم 14 من أوت الحالي. نواصل مع سلسلة صحفيين للناخب الوطني الجديد كريستيان غوركوف. Tout joueur, mais pour notamment un joueur qui veut jouer en sélection, il faut jouer. Donc il faut choisir le club où il joue d'abord. C'est le pire, c'est d'être dans un club et ne pas avoir de temps de jeu. Ça a été le cas pour certains sélectionnés et forcément ils se retrouvent pénalisés quand arrive une échéance internationale comme la Coupe du Monde. Donc il faut d'abord jouer. Évidemment, il y a des championnats qui sont moins intéressants en termes de rythme que les championnats européens, je pense notamment les pays du Golfe, mais je pense que c'est avant tout un joueur, notamment pour la sélection, doit jouer. Alors le temps de jeu, c'est pas parce que
La sélection ne se fait pas en fonction du temps de jeu, mais c'est évidemment c'est un élément aussi à prendre en compte. Donc voilà, à peu près pour le reste, que chacun trouve un club qui joue, qui progresse, et puis surtout un club à sa mesure. C'est pas de trouver un. C'est pas de signer dans le plus grand club et puis d'être de rester sur le banc, ça c'est extrêmement pénalisant pour l'équipe nationale. إذن من الضروري على اللاعبين أن يلعبوا بشكل متواصل مع أنديتهم رغم أن العديد من اللاعبين قاموا بالتوجه إلى البطولات الخليجية إلى أن الناخب الوطني قال بأن المستوى هناك مستوى لا بأس به وشيء عادي يعني أن يلعب اللاعبون في مثل هذه النوادي. إذا نستمع. Abida, par exemple, ou un stade de l'Étoile, parce qu'à Sinimoussa, il est impossible de vous installer pour toute la durée de l'entraînement, mais on fera le fameux. On va essayer de copier le standard Coupe du Monde, donc vous aurez un quart d'heure pour venir photographier, on aura un point de presse bien sûr avec les joueurs, nous en installons les joueurs, on organisera tout ça et on vous avertira par le site de la FAF comme d'habitude. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. إذن مشاهدينا الكرام كنتم معنا على المباشر من